sky. Twinkles in our eyes, twinkles in our eyes. Hold my hand and walk me through the night. Twinkles in our eyes, we're brave enough to fly. La semaine de la diplomatie du climat, l'édition 2018, est définitivement rentrée dans l'histoire ce samedi 29 septembre. Et pour la journée apothéose, plus de 500 jeunes de plusieurs associations de défense et de protection de l'environnement se sont retrouvés à la plage de Lomé pour la nettoyer en ramassant lors d'une course éco-jogging des déchets plastiques. A été financé par la délégation de l'Union européenne au Togo. Alors, nous essayons d'attirer l'attention surtout la problématique des plastiques à la plage et la nécessité d'avoir une plage propre. Alors, le fait que les associations viennent avec nous, ça démontre l'adhésion de la population et pas seulement des autorités ou des corps diplomatiques, mais de la population qui est sensibilisée à ça. Alors, moi, ce que je voulais passer comme message, c'est qu'avoir une plage propre, ce n'est pas faire seulement le ramassage une fois par an, c'est maintenir la plage propre. Et c'est ça qui est le plus important. Si on la maintient propre, on n'a pas besoin de faire ce genre d'exercice. Il faut connaître cette discipline de rien jeter par terre et surtout faire très attention au plastique qui représente plus de 85% des déchets qui polluent les mers et les plages. Alors ce qu'on pense, c'est que toutes les années on fait cette semaine de la diplomatie climatique et chaque fois on va insérer des activités qui vont être liées au progrès qu'on arrive à faire et surtout ce qu'on veut faire, c'est attirer l'attention sur le besoin de protéger pas seulement nettoyer, mais avoir une action qui, une discipline de façon à ne pas salir les plages. Ça, c'est ce qu'on fait ce matin, c'est le nettoyage, mais surtout attirer l'attention qu'il faut avoir vraiment changer de mentalité. L'important, c'est de maintenir propre et comme ça, peut-être, on n'aurait pas besoin de faire cette activité l'année prochaine. L'initiative est à l'actif de l'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable, la délégation de l'Union européenne au Togo, le Club des Amis des Plages et des Océans, l'association Eco-Jogging. Je suis le directeur exécutif de l'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable qui organise cette activité aujourd'hui en partenariat avec plusieurs autres associations et la délégation de l'Union européenne. Donc pourquoi nous avons organisé cette activité aujourd'hui de beach cleaning? Il faut d'abord noter que ce n'est pas la première fois que nous organisons cette initiative de ramassage des déchets sur la plage. Et ça fait plusieurs fois depuis 2012 que nous avons commencé cette initiative et chaque année nous organisons plus de 3-4 fois ces activités. Donc l'objectif, c'est vraiment de conscientiser la population à la prise en charge des plages,
Alors, aujourd'hui spécialement, nous faisons les côtes de Guinée dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique. Et vous voyez le monde qui s'est mobilisé. Et vous voyez aussi là où on fait les côtes de Guinée, c'est à la plage. Et vous voyez beaucoup de déchets qui ne continuent pas à arriver à la plage. Beaucoup qu'on a ramassé, mais beaucoup qui restent encore. C'est-à-dire que chaque jour, on doit faire les côtes de Guinée, en fait. Et pendant nos courses, les côtes de Guinée, on sensibilise les gens à protéger l'environnement. Et donc, voilà l'importance de cette initiative qui permet à plus d'un d'avoir une bonne santé et de protéger en même temps l'environnement.